Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Selon le United States Geological Survey, USGS, un séisme de magnitude 8,0 a touché dimanche le nord du Pérou. Le département des urgences du gouvernement péruvien a enregistré une magnitude de 7,2 pour le séisme, selon Associated Press, AP. Des images publiées sur Twitter par le ministère de l'Intérieur du Pérou montraient des dégâts considérables et des effondrements de bâtiments à Yurimaga. Une vidéo a montré la façade d'une église équatorienne en ruine. Les forces de l'ordre locales patrouillaient dans les rues pour apaiser la population et recevoir des informations sur les ruptures de logements causées par le fort tremblement de terre, le ministère de l'Intérieur de le Pérou a dit. Des coupures de courant ont eu lieu dans certaines communautés amazoniennes, a rapporté l'AP. Nous évaluons les zones touchées, a déclaré sur Twitter le président de la République du Pérou, Martin Vizcarra. Je demande à tous nos citoyens de rester calmes. Le trembleur a frappé à 75 km au sud-est de Lagunas, au Pérou, à une profondeur de 110 km sous la surface de la Terre. Les Lagunas, situées dans la forêt amazonienne, compte près de 10 000 habitants. L'USGS a émis une alerte jaune pour les décès et pertes économiques liées aux secousses. Certaines pertes et certains dommages sont possibles et l'impact devrait être relativement localisé, a déclaré l'USGS. Les alertes jaunes passées ont nécessité une réponse au niveau local ou régional.